PCS, PCS. Ah, vous l'avez remis le game. Hey, un peu de respect C'est s'il vous bien, c'est plaît. bien. On a quand même quelques games. Ouais, quand même. En fait, D'ailleurs, ils n'ont ça n'a perdu pas qu'une été fois. Ah, affiché très qu'on a bien, non, mais perdu les PCS 2-0 n'ont contre perdu l'équipe qu'une du seule Nord. fois. Et Oui, ils ont c'est mis bien un une fois, point, oui. donc oui, c'est ce que je disais. Ils ont mis un point à chaque fois qu'ils ont perdu. Attends, je vais vous mettre le tableau. On va pouvoir faire un point tableau. En attendant, avant que la game. Non, la game n'est pas encore lancée. On peut voir que quand même les premiers sont à Oui, c'est ça, ils ont 4-0. gagné tout 0, ce qu'on me dit. Comment on va faire ça? Après, on On va peut faire ça en dire mode gros qu'ils ont joué contre porc. le bas de tableau. On va faire ça en mode gros porc. Sans dire que le bas de tableau est mauvais, évidemment. Mais leur game, on peut regarder, c'est souvent vers le bas de tableau qu'ils ont joué. Ils ont joué le dernier, l'avant-dernier, je crois. Ah, pour faire ça en mode gros porc. Bonsoir, bonsoir, Oui, regardez ils ont ça. joué les trois. Le septième aussi. Très intéressant. Et c'est ce que je dois Ils ont finir. joué âme. Par contre, ils ont joué âme, qui est milieu de tableau. Donc, ils ont quand même Ham qui est réussi plutôt bien classé à d'ailleurs, ils sont en gérer. train de jouer leur match contre les Trollpiers, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que ça Comment ça se donne? passe? Honnêtement, Le point j'espère. PC Process, oui, Très regardez, j'espère quand d'ailleurs. tout, absolument tout gagné là, c'est la game de routine sur une game d'avance, vu que les LGA, c'est bien, si vous entendez, répondez-nous. Faites des signes de vie, je ne sais pas où vous êtes. Et on va éviter une partie, est-ce que c'est la bonne cette fois? J'espère pour toi. On va voir ça, on va voir ça. Pour nous faire les Et donc oui, kebabs, les disons. PCS qui sont deuxièmes, c'est assez formidable puisque l'année dernière, bah, ouais, ça fait quasiment un an maintenant. Bon, il y avait pas, c'était pas la même line-up, mais en gros les méchants chats n'avaient pas, enfin, ils étaient allés où? C'est nous qui les avons éliminés. Ils allaient environ au milieu du tournoi. Bah, il faut le souligner parce que vous êtes fait péter la gueule. Non, je rigole. Ouais, mais justement, tu vois, c'est pas Et très bien. c'est une équipe qui a énormément progressé. Ils ont changé de line-up aussi, bien sûr. Ils sont scindés en plusieurs. Et qui a énormément progressé, qui sont deuxièmes actuellement et qui, s'ils continuent comme ils font, vont passer premier. Est-ce qu'ils vont passer premier s'ils gagnent Non, contre. ils vont être égalité. Et non, ah Égalité, ben. ouais, non, je crois que. Non, c'est ça. Non, S'ils bah gagnent ce non, parce soir que. contre les Drugbees, les PCS passent premier du classement. Ils Peut-être passent le gagnant de premier. ce tournoi, parce qu'on approche quand même Mais de la fin. Hein. On est ça, c'est la première game du round 6. On commence à aller vers la. On est carrément dans la deuxième partie de tableau. De tournoi. ils ont pas joué leur match round 5, En tout cas, l'invite n'a pas DRB? marché, hein. N'hésitez pas à inviter, je vous le Les dis. DRB n'ont pas. Ça Il arrive. leur manque un match, hein. Ils ont un match en moins que les PCS, c'est pour ça que PCS passera premier, mais il leur restera un match en moins au DRB. Exact, Ils les pourront DRB ont revenir un à match en moins. l'égalité. Les DRB ont un match en Et moins, ils auront une occasion de revenir. ils jouent contre les huitièmes du tableau. Donc, ils peuvent gagner quand même. C'est Ils aussi le peuvent cas être des. égalité avec les Oui, bah, PCS. complètement. Et c'est aussi le cas d'ailleurs des CGG et des QQ, que les QQ ont une game de retard. Oui, exact. Tout le monde a une game de retard en fait. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont une game de retard. Ah non, il y a juste CGG et PCS qui ont une game d'avance. Non, Et Nyarn, non, oui, et Nyarn n'a les pas été comptabilisé. Elle est ABDDM. ici. Nyarn QQ n'a pas été comptabilisé. Ah, donc les QQ ont le même nombre de games. C'est juste qu'ils ont. Il me leur Ah. manque un point en fait, c'est assez Du coup, compliqué. les grognards ont Bishop, perdu où es-tu? 4 DM. T'as invité du coup quelqu'un un peu? Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qui Comment parle ça, de choses caca? dégueulasses? Voilà, qui est aussi vulgaire? C'est un octogénaire, forcément. PCS ou LCS, je ne crois pas. Ce sera compliqué. Soon TM, d'abord Challenger, ensuite LCS. Déjà, on gagne League of Laval, c'est au-dessus des LCS. Déjà. Oui, enfin, si Enfin. vous avez gagné League of Laval, vous pouvez tenter assez facilement les LCS. Je pense que Bah, vous n'aurez pas normalement, on trop de prend sa problèmes. retraite après. Normalement, on prend sa retraite. Parce que Vous avez voilà, assez maintenant, on gagné a assez tout de thunes pour la rempli. retraite. Je sais pas si t'as rejoint la game. Bah non, pas du tout, Parce que j'ai l'invitation a foiré, perdu. mais ça, les persos, une invitation sur deux, ça foire. Hein, donc. Très bien. Il y a apparemment un souci C'est d'invitation. vrai. Bon, écoutez les mecs, Mon dieu. lancez Est-ce les que mecs. t'es sous Windows 8? Je viens de voir ça. Plus tout. Alors, Mon pas dieu. du tout. Mes suppôts de Satan, Pas du tu tout. sors? La C'est couleur dégueulasse, marrant. c'est dû à XSplit. De la barre des tâches. Comme quand on joue à Age of Empire. Age of Empire comme vous vous sur ma chaîne. Tling, ne fais pas ce pub. La promo, la promo, la Attends, 4 promo. minutes de publicité avec Bois de Coco vous parlant de son émission. Quoi, j'essaye un peu de faire de la pub, hein, j'en profite, hein, tu me dis viens, il faut que tu meubles, bah Non, je allez-y, meuble. Hein. lancez les mecs. Alors, lancez la game et on fera rejoindre le spectateur, mais on peut rejoindre le spectateur qu'une fois que vous avez fait les piques. Allez-y, n'hésitez pas. Ah, on va savoir les bans quand même en direct, mesdames et messieurs, formidable par un octogénaire entrevoyé Ah, ça spécial. fait plaisir. Ça fait forcément plaisir, oui.
Je vais essayer de rejoindre le salon League of Laval s'il y en a un. Bandai Ok, ça doit Astro pas pour être les zombies. celui-là. Shyvana pour les PCS. Pour l'instant, la même chose qu'à la première game. Bah du coup, vous ne savez pas ce qui était passé à la première game. On avait eu Singed, Kha'Zix, Shyvana, Gragas de Ban, le Blitzcrank d'Ugar, le Gugar de Blitzcrank, n'importe quoi. Et ça a l'air de la même chose. Ah, ils ont banni finalement Leona, qui a fait un taf monstrueux. On peut le dire. T'avais un Ah bah MVP Leona pour était ce pas mal, boss, MVP pour hein. ce premier match? C'était un tour de partout, j'ai pas Moi, trop pour de. moi, clairement, c'est la vie. Vi qui a fait un coup dans le jungle. La Leona vie, était elle pas a mal fait un aussi. taf. Leona était pas mal, mais la vie. Ah, la vie, elle a mis la Elise tellement mal. Vi MVP, c'était. Bat. C'était, si je me souviens pas. Si je me souviens bien, c'était pas IG2BAT, c'était. C'était pas. C'était Amnésie? Au début. Excuse-moi, je suis troublé par le chat. Ça... Trop Ça là fait par le chat. n'importe quoi. Qu'est-ce que vous racontez? Parle de. Allez, on continue, enchaîne, Enchaîne, enchaîne. enchaîne, enchaîne. En tout cas, ban pour nous, donc TPCH, Shyvana, Singed et Kha'Zix, les mêmes bans que la première game. Et tandis que les Toulongbees ont ban Gragas, Leona, Lapsus Révélateur et Ban Plugar. Kha'Zix? Ils ont ban Kha'Zix. Léona, trop là Na par le chat. n'importe quoi. Qu'est-ce que vous racontez? Ça m'étonne. Waouh, mon dieu, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est un scandale. Avec du sucre au bout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça juste J'arrive dommage parce sur le qu'il chat avec du était sucre au nerf, bout, il qu'est-ce que s'est c'est fait que ce tuer truc? le pauvre. Ça sélectionne un champion. Le dernier ban, Elise, Blitz, non Blitz? Else? Quoi Else? Elise? Blitz. Pourquoi tu vas parler d'un Je crois que les KSX? Drumbees ont ban Raconte. Elise, attendez, qu'est-ce que c'est que ce Else? Mec, active le chat hall, c'est trop bien cette épée. Ah oui, en spectateur! Oui. Oui, j'ai oublié de le faire. Ça fait 8 streams. Fait J'ai oublié de le faire. Non, je jamais pas ça fait fait pas 8 streams. Ça fait déjà 8 encore. streams? Alors Non. c'était quoi les vannes? Leona, Singed, Elise, Blitz. Très bien. Gragas, Shyvana. Ouais, bah la Shyvana, ok, logique. La Leona aussi, hein. Leona, elle a fait le taf la dernière Sashimas. game, faut pas leur laisser. Ah! On me dit. Ben, je vais pas le dire, attends. Non, je ne peux pas dire cette information si les Drumbees écoutent. T'es sympa, Amnésie, mais là, c'est pour vous si les Drumbees écoutent. Mais je crois qu'on a une tactique intéressante. Ah bon, et quelle est cette tactique? Tactique qu'on a déjà vue, que ça scande. Ça scande dans les messages perso. Si tu as quelques méchants chants, en avis. Ou PCS. Oh, je viens de voir le message d'Amnésie. Ah merde! C'est pas mal. Mais ils écoutent, ils regardent pas, ils écoutent. Frontline dégueulasse incoming! Merde, je te dis. Oups. Bah, vous êtes au courant, ça y est. Oups, En fait, on se souvient. En fait, si vous savez, faut ça. Bon, je vais vous l'expliquer. Je sais pas s'ils l'ont pique. Ah, ils ont dû le pique, s'ils l'ont dit. on n'a pas encore de pique. Donc, si les PCS ont réussi à prendre une game au Dafu-QQ, ce qui n'est quand même pas une mince affaire, c'est qu'ils avaient Shen Top et Rammus Jungle. C'est horrible. C'est C'est juste horrible. absolument insane! Vous pouvez pas faire teamfight. Donc si vous voulez jouer contre ça, ne faites pas teamfight. Faites un stomp de 31-4 avec 20k gold d'avance. Et comme la première game, tout se passera bien. Sinon, courez. On se souvient, il y avait. Puis Je me souviens de Shen. Qui c'était Shen? C'était Amnesty. Je sais plus qui c'est au top. Qui est top laner? Et je me souviens de Shen avait retenu toute l'équipe à un moment pendant que les deux carries se faisaient massacrer par STE. Mais tout ça est en replay, n'est-ce pas, sur la je crois chaîne que c'était les YouTube d'Averti. CGG qui jouait beaucoup Ramush Shen aussi. Ah les bâtards, ils ont counter méta, merde, ça va être ma faute. Ou pas, ah! C'est pas vrai! Pourquoi, mais attends, qu'est-ce qui counter? Ils les ont pris? Qu'est-ce qui counter Shen et Rammus? Vayne? Ils ont pris Vayne? Une Vayne, ouais. J'ai Bah non, parce que écrit Vayne quoi? contre Oh Rammus, en fait, elle se Pierce! tue toute seule. Donc c'est un peu compliqué. Oups! Oups! Donne-nous les piques, s'il te plaît. Y'a Rammus pick pour les Drumbees, c'était ça. Les Drumbees ont pris Rammus. Bah, moi j'aime beaucoup Rammus, c'est un jungler qui permet d'être partout, mais qu'on voit jamais, je sais pas pourquoi. Si on commence à le revoir quand même. Ah non, on voit plus qu'avant, mais enfin je sais pas. Enfin, LCS t'as tellement des trucs dégueulasses en ce moment. Mais c'est un jungler vraiment strong et vous pouvez aller n'importe où. Repousse plus. C'est bon, c'est bon. Mais effectivement, tu sais activer le Chuck Hall? Je vais essayer, je ferai des bagouilles, ça va être dégueulasse.
Le Dans les chat ou un options, je crois. spectateur, Oh, dans quand les t'es options, dans dans ce le texte, texte. tu peux faire des options. J'ai un slip rouge, nous dit Z2New. Ah, t'as un slip, Moi, toi? il est, moi, il est gris. Voilà. Voilà. Qui porte des slips aujourd'hui? Moi, je ne mets rien. Hier, je suis nu, c'est pour ça qu'on n'a pas de caméra. Oui. Sinon, enfin, Là, je sinon, il y aurait suis des soucis complètement à judiciaires, faudrait pas être en moins de poil. 18 ans, c'est un petit peu compliqué. Fin de temps de train la vachette! Oh, c'était quoi la musique d'Interville? Attends. Chananana, chananana, nananana, chananana. Ok, merci à toutes, on Allez. t'aime, oh, c'est trop mignon! Merci. Interville. Interville. Pourquoi quand j'ai dit que j'étais à poil, il m'a dit on t'aime? Très Je bien. crois que c'est une déclaration Chut. d'amour. Nous allons en faire comme si on n'avait rien entendu. Nous n'avons rien vu. Oubliez ce passage. Pourquoi on a dit qu'on streamait à poil aussi? Ah oui, c'est à cause de Parce Z2New. que nous sommes C'était dans la l'été. belle ville de Poil. Non, pas du tout. Cette vanne a été faite, je sais pas combien de fois par la télé, on va arrêter. Arrêtez, arrêtez, la pauvre ville de poil n'a rien demandé. On leur laisse de l'avance, on va fumer. Tout tabac est évidemment What? proscrit sur ce stream. Bref, je sais pas pourquoi. Ah, en tout cas, on va pouvoir regarder la partie, Attends. c'est parti, on va pouvoir avoir L'abus une de meilleure drogue est idée. dangereux pour la santé. Une meilleure idée des Pikéban. Voilà, donc on a. C'est parti, c'est parti. Bois de coco, on se centre! Bois de coco! Oui, je suis là, je Tu suis peux là. regarder. Est-ce que tu Je as fait clic veux. droit à regarder la game? Il y a du décalage? Eh ben. Oui, Eh c'est ben. normal, ça c'est. C'est tout à fait normal parce qu'il faut que le temps que les frames s'envoient jusqu'au serveur. Vous avez genre 5 secondes de décalage. C'est tout à Je fait vais normal. regarder. Même les streams les plus professionnels ont ça. Voilà, j'ai les pics et les bans. J'ai pas les bans, mais j'ai les pics, au moins c'est déjà ça. On mise. Oui, mais On attends, a mais la tu veux pas dire ça, vachette. l'Arcadox, il regarde! C'est bien! Non, moi je suis content que vous me filez vos strats, mais. Non, c'est bien. On a un octogénaire en jungle. Non, ils vont swap. Ils vont swap. Hein. Oui, ils vont swap. Je voulais pas le dire, hein, mais on met sur l'effet de surprise du côté des zombies. Alors, en tout cas, parlons des On bans quand voit un même de Rescue panthéon. Minute 45. La Morgana support, on en parlait tout à l'heure, qui a été épique, un support vraiment enfin qui revient et qui est vraiment intéressant, notamment grâce au Black Shield qui est une purge de 5 secondes qui vous immunise au CC. T'inquiète, on vous dit, bah, ok, bah, je belle, on serait tout fabuleux. Avec son ADC, ce sera Jinx. Jinx ADC, un des meilleurs ADC du moment. Je pense que Bois de Coco On confirme. a Annie support, ça c'est interdit ça, hein. C'est le truc qui a Avec plus de Barrière? CC qui te one shot en fait. Annie Vous support mettez Barrière? même pas d'ADC, puis c'est bon. Annie support Barrière? On peut peut-être jouer une Annie AP? Attends, il mise sur l'effet de surprise. On a un Panthéon. Panthéon top. Nerf ennemi, tranquillement, ça c'est pas de problème. Shen a quand même pu être récupéré par les PCS. Avec un TP, ça va évidemment split push. Ce perso est absolument un rêve pour ça. Attends. Pourquoi un octogénaire ici? C'est Et l'ADC? pourquoi t'as parlé d'une Morgana support? Y'aura un Morgana mid, ouais. Avec une exhaust? C'est pas un Alistar mid, quand Ça m'est même. dit ça rapide. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais attends, on a un octogénaire qui est l'ADC, je rappelle, qui est en train de jungle Lee Sin. What Kamosh est le mid. Mais the si Kamosh est le mid, c'est peut-être bien Alistar AP mid. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Oh, ça va être une game intéressante. Oh, ça va être bien. What the fuck? Non, j'ai ma gorge qui se dessèche. Pot de coco, est-ce que tu peux m'apporter un soda? Évidemment, j'y vais tout de suite. Ah, dans 700 km. Exactement. Exactement. Attends, alors le chat, faut mieux pas le lire, hein, c'est interdit au moins de 18. Comme ça. Bon, les déclarations d'amour, peut-être un mariage en live. Ah oui, c'est bon, t'es réussi Je sais topé, je pas. me demandais si t'allais être OP. Or not. Ouais, je suis modo, donc attention à ce que vous dites. Je suis la Je nuit. peux tout Je faire. suis la vengeance. Je suis. Mano! En tout cas, je vais te laisser meubler. J'ai un petit truc à aller faire. Putain, mais ce stream, c'est pas du tout professionnel aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Pouvais pas prendre à boire avant comme moi, comme un quelqu'un de professionnel, tu vois. Est-ce Quelqu'un de classe. qu'on Alors, est on va bon? parler des skins en attendant. Va te chercher à boire vite fait, hein. Je vais prendre Ouais, des skins. Pourquoi j'ai. Pourquoi? Non, c'est bon, Alors, tout va un bien, tout va skin bien, tout va bien. Théon, Je te laisse ça parler des fait skins, en tout plaisir. cas, il y a hâte d'avoir des skins. C'est fabuleux. Ah, Ah, merci. report Jinx, n'oubliez pas pour deux skins. Hein. Ouais, moi j'en reviens.
Ok. À tout à l'heure, mon cher Hackers. Donc, du coup, les skins, en attendant, un écran de chargement, évidemment. Alors, nous avons un slip Théon, en parlant de slip, hein, voilà. Nous y sommes, nous avons un slip Théon. Donc, peut-être je comprends mieux le Chan maintenant, maintenant que j'ai vu le slip Théon. What the fuck, ce Chan ne veut rien dire. Nous avons aussi une vachette dorée. On ne sait pas, un chirurgien. Et qui sait pas cuire des gâteaux, une Morgana. Alors, le Lee Sin, Gilbert Montagnier, ça fait plaisir. On va s'aimer sous le soleil tropique. On va s'aimer. Voilà, Gilbert Montagnier. Alors, On dirait que c'était Bois de Coco, voilà, vous ne revenez pas tout de suite à essayer d'arrêter les castes, hein. Merci Bois de Coco Vous pour ta pouvez me participation. retrouver à Toulouse, Angers. Putain. Alors j'arrive, les Bois de Coco chantent. En cas de avoir un magnifique skin, oh yeah, de Sleep Théon, de Vodoupe. Très très beau choix, personnellement. Non, pas du tout. Je ne cautionne Si, pas il est très les beau, je skins l'ai, on va dire qu'il est très beau. à caractère érotique masculin. J'ai pas du tout de passion pour ça. Moi, je le trouve beau ce slip Théon, il est marrant quand même. Il est trop lolo Non, là. non, il est bien, il est Oh bien, mais... lol. What? Mais tous les skins sont bien, Nous enfin... avons On a une Morgana Boulangère. Swaplane! Nous avons une Swaplane! Non, nous avons une Vayne Attendez, tout what the seul! fuck? Non, c'est pas Non. en DC. Oh mon dieu... 30 secondes avant la fusion des Ça va être deux. n'importe quoi, ça va être n'importe quoi. En tout cas, on m'a dit d'activer le chat. Oh là là, vaut mieux activer vu ce qui est en train de se passer. Mais non, mais Panthéon Annie, c'est trop fort. Attendez, 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 On attendez. est ça va Wow, il se passe des trucs, il se passe des trucs. deux Attendez, autres. attendez. Oh mon dieu, c'est encore le jungler qui va... Oh le C'est encore une flash. invade. Joli. Ouais, Flash, peut-être qu'il va se concrétiser. Donc déjà, on attend le Il reset s'en du Q sort. spell. Oh, Edwin Oh qui le s'est mis juste flash de devant. la part de la Ul'Gar Morgana. qui a du coup Il va crit, se qui va prendre faire. énormément de dommages, qui a réussi à s'en sortir. Est-ce que Lee Sin est une fusée? Est-ce que Lee Sin va y aller? Non, pas du tout. Non, pas aujourd'hui. Arik qui va croiser la route encore, donc il va essayer de récupérer des kills. Aucun mort Chulsu. malgré mais beaucoup de spells claqués. On a un Oui, flash on a combien de chez flash? Ramus et on a Deux flashs. deux flashs Deux chez les flashs chez les PCS. PCS. Ouais. Morgana Donc, et c'est pas Alistar. tellement rentable hein, tout ça. Bon, alors sauf chat hall. Oh, du Tellement du. rentable. Du coup, pour counter le chien, on a décidé de mettre une Vayne top. Je veux quand même une Et un discussion hall en Panthéon match ADC, making. alors là, par contre. Je pense. Je pense sincèrement que les PCS ont l'avantage. Hein. Sincèrement. Même s'il y a une Annie, le Panthéon ADC, ouais. Heureusement que là, il y a la Vayne quand même. Ah, la Vayne. Ouais, quand même une vachette mid, ça fait pas le taf hein. Peut-être je vais me gourer, je vais Eh, voir, c'est je vais plus fort faire qu'on le croit, taf. hein. Quand t'as pas l'habitude, tu peux être surpris. Ouais, je sais, j'ai perdu contre une vachette AP une fois. J'ai pas l'impression qu'on puisse mettre le chat wall. On peut mettre le chat wall? Non, je crois qu'on peut pas en fait. Mais je crois qu'on peut pas, hein. Nous ne pouvons pas. Attends, je regarde dans les options moi aussi. On peut pas, Je non, regarde on dans les peut pas, raccourcis, tu effectivement. vois, mais il y a même dans l'interface, dans les options. Je sais quand même du call en Non, il n'y matchmaking. a, on ne peut pas. Que en matchmaking, j'ai l'impression. Je suis désolé, j'ai pas l'impression qu'on Ah, puisse. nous avons la vachette qui agresse. La vachette qui agresse dès le début, mais qui prend cher quand même. C'est une arie, faut pas déconner. Pour le moment, le chêne va avoir du mal au début. Hein. Oh Lissage là de la là. caméra activée, attends. Tu y arrives? Est-ce que tu es? Ouais, ça n'a rien changé. Bah écoute, j'ai pas l'impression qu'on puisse. Bon, avant qu'on le sache, on va m'insulter juste à la fin de cette game. Violemment. En tout Alors cas, la j'en vachette qui profite, je voulais prend dire entre l'entre la deux, mais vachette quand même. je voulais juste dire, Oula. on va avoir pour le débriefing normalement les PCS qui sont en LAN, les PCS en vidéo. Et donc je pense notamment à toutes les supportrices d'Ougar qui vont être absolument comblées ce soir. Et donc voilà, Les restez strings avec nous vont juste voler, après. restez hein. Des culottes vont voler, ça va Les être strings vont n'importe quoi. partir loin. Très Où? très loin. Et donc pour un débriefing en Qui se vidéo, ce soutient la sera gorge? une grande première sur ce stream. Et parlons un petit peu des stuffs, parce qu'évidemment je n'ai pas mis les persos en face des gens, sinon ce serait trop marrant. Un peu trop facile. Tac, tac. C'est trop simple. Non mais Mais moi, ça. Non, je c'est suis en train très de mettre bête. un Mais si c'est Alistar au déjà mid eu, là, moi, c'est de bon pour trucs, moi. pourquoi c'est devenu. Alors non, c'est Panthéon en Oh DC. là, le flash stun. Le flash stun Tellement qui de stun, comptait tellement de stun. passer Est-ce que d'un coup, je peux assez leur tirer la dernière assez. auto-attaque? Non! Oh, Ah, je vais mettre qu'il y a quand même flash ça parfois. fait mal. Ouais, ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait Non, mal. attendez, Quand je Panthéon vous est disais que ADC. Annie, c'est interdit, Annie. Support, c'est interdit. Parce qu'on la joue AP. Oh, Oh, le Arika! fast boost! Arika récupère son. Attends, elle va pas mourir?
d'Arcado qui s'en sort à très peu de choses sur un gang du Lee Sin, c'est très bien de sa part, on a absolument rien vu. Mais fais un petit retour en arrière. Ouais, je fais un petit retour en arrière. Fait, il a voulu... On voit que je... Enfin, je sais pas, j'étais dans les... Il est pris un coup de tour et un bisou, il est mort. Le bisou qui l'a démonté. Tac tac. Ouais, évidemment, donc je suis revenu pile poil où il fallait pas. Tu sais qu'il y a un retour de 15 secondes en arrière, le petit ouais, bouton j'aurais dû faire pause ça. Qui est très pratique. J'aurais carrément dû faire ça. Ouais, tu es nul. Voilà, on y est. Tu n'es pas professionnel. Un octogénaire qui va partir ganker. Ça a été pingé d'ailleurs. Dis-nous s'il se passe quelque chose, hein. Dis-nous s'il se passe quelque chose pour s'en aller dans le direct. Ah, donc là, c'est un combo qui a été placé par Kamosh, un octogénaire. Qui est sont eux qui a réussi à la ralentir. Oh, il aurait dû mettre une dernière auto-attaque. Alistar vient de mourir. C'est dommage. Alistar vient de mourir. Alistar vient de mourir. Attends, j'accélère, on va voir ça tranquillement. Il s'est fait gank par Ramus. En, évidemment en toupie, hein, ça va super vite. Et après, il s'est fait bisou par Harry. Et comme il n'y avait pas de creep, et ben, le bisou est passé direct. Hein. Il est passé crème. Ouais, on attend de voir ça. Oh, un petit tout qui passe. Décevant. Tranquillement. Hop, on va revenir au direct, mesdames et messieurs. Donc, c'est sa agression en botlane par un octogénaire. Le Panthéon prend cher. Devrait pouvoir tuer Anou. Non, on essaie pas de continuer. On essaie de passer quelques dégâts sur Edwin avant de partir. Morgana va counter la Annie. Je disais que la Annie allait être super chiante, mais en fait, avec le bouclier de Morgana, la Jinx va pas prendre de stun. Donc, hop, et moi j'ai complètement oublié de faire mes stuns, donc évidemment ça va vous drop. Évidemment, je suis un abruti. Voilà. Absolument pas professionnel, nous soir. Avons l'habitude. Exactement. Ah, stream posé ce soir. Le début de stream, n'importe quoi. N'importe quoi. Ce stream est n'importe quoi. Ce stream des amateurs du dimanche. Ce stream n'a aucun sens. League of Legends a crash. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que jusqu'au bout va me faire chier sur ce stream? C'est pas mal, c'est bien. Je vais péter un plomb. Mais non, mais... Je viens de gueuler comme un gros porc en plus. T'as vraiment pas de chance ce soir. C'est la loose quand même. C'est pas possible. Donc la game, oui, entre les deux premiers, la plus importante, qui est vraiment intéressante. Ah oui, plein de crap et de croches et de drops. Ouais, mais, hein, c'est intéressant. Mais quand même intéressante. Quand même intéressant. Moi, je suis déjà revenu, pas de problème. Mais pourquoi ils ont fait un Alistar mid? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Parce que c'est ballsy pour les hommes. Non, parce que... Et ça rappelle, c'est un peu sûr. En fait, ils se sont dit... On les astompe. Alors, de base, ouais, voilà. Je pense que le temps était au troll pour Pour le PCS. Ça se trouve, quoique les Drunk Bees avec un Panthéon ADC, une Vayne au top. Oh, Vayne top, ça se fait encore. Ouais, Panthéon ADC, il va prendre cher. Pour l'instant, ça leur réussit parce qu'il y a déjà 2-0 et peut-être certainement un 3ème puisque Unwind Ghost a réussi à tout. Amnésie qui s'est fait ensuite condamner. Ou pire qui se fait quand même agresser, ouais, oui. Mais qui semble s'en sortir. Non, Amnésie, ça passe. Vayne, elle a pris cher aussi. Vayne. Oui, Vayne, on le voit. Clignote de rouge sur votre gauche et. Pendant ce temps-là, Morgana va pas, ouais, elle a quand même pris cher. Bah, c'est vrai que Panthéon Annie au début ça fait mal. Hein. Ouais. Et en late ça fait encore plus mal. Et donc... Ouais, ça fait beaucoup de CC quand même. Non, en Panthéon en late ça affaiblit. Hein. C'est la Annie qui va faire mal. Surtout qu'elle est partie full AP comme une grosse porte. Avec une barrière, je pense que c'était prévu, ouais. D'ailleurs, on peut voir que Annie prend l'élastique de Panthéon. Voilà. C'est un peu chacun pour soi là, c'est. Voilà, on s'engueule. C'est le premier qui tape, qui a l'élastique. Est-ce qu'elle a des runes support? Il va vacher. Runes support. Je ne sais pas. Bah, quand on joue à Annie, souvent on le joue à fond. Hein. Ah, une pause. Ah, très bien. Bah écoutez. Ok. Ah non, je pense, tu vois, en plus on entend le message. Aller. Je sais pas pour toi. Quel mec. Attends. Oh mon dieu, j'ai trouvé la messagerie! Mon dieu, on pouvait! Fuck my life! Alors là, tu vas te faire insulter par tout le monde. Insultez-le sur le chat. Je vais me faire tuer! En plus, ça va être n'importe quoi! Bon, ça vous prend une partie de l'écran, mais bah, dites-moi hein, si vous voulez que je laisse. Enfin, dites-le à votre coco en fait. Mais on m'avait dit que c'était deux équipes qui se connaissaient depuis un bail et qui aimaient bien Stunt en plus. Alors on me demande qui a le plus gros pénis chez les PCS. C'est pas un octogénaire, hein. Il est tout fripé. C'est moi.
tu nous as trahis, PCS maintenant. Ouais. Très bien. Pourquoi tu crois qu'on les voit tout le temps sur ce stream? Pourquoi tu crois ça? Oh, joli double stun. J'ai le mec qui m'a bien black shield. Va prendre très très cher. Et ok, qui s'est fait stun et garo stun et garo paradis qui t'a obligé de flash. Au revoir Vayne. Au revoir Vayne. Qui s'en va dans le mauvais sens. Adieu. Pourquoi elle, elle veut ton pot pour se faire exécuter? Elle est déçue. Déçue quand même. Tu penses, ouais? Claquer la barrière pour c'est essayer 15 de secondes exécuter. Quand même. Oh, le Alistair qui va là. Oh, oh le Alistair qui sauvera Tower Die. Votop qui va mourir. Oh, et... What? Oh, okay, moi, je... What? Oh, qui a failli se prendre l'ulti de Jinx. Oh, c'est vraiment Edwin qui va prendre le kill. Voilà, à cause des creeps. Alors, la roquette de Jinx est passée un peu à côté quand même. Hein. Oh, Jinx. Oh. Oh oui. Voilà, oh, du T-Burst qui arrive. T-Burst qui va bouffer la nano. Elle aurait pas dû rester sur les pieds, Jenny. Je pense que ça a été le dernier coup qui les a tués. Harry qui a utilisé son ult. Ah, pour Kaes. De prendre le kill pour Kaes. Exactement. Mais ça n'a pas marché. Mais dans ce cas, c'est justifié. Bande de gens. Oh, ça s'insulte, mon gars, sur le chat. Bande de gens, c'est en double. Tu veux le chat ou pas? Ah bon? De quoi? Non, je le vois pas. C'est Tu vois l'icône de caméra? Oui. Y'a un petit œil en dessous. Ouais. Clique dessus, messagerie. C'était aussi con que ça. Ok. Lol. Donc notre guest star de ce soir, la messagerie. Et Viens apparaître. Et ça fait du bien. On va la mettre en plein, il y a des cons, moi. Alors on va la mettre. On va la mettre là, la messagerie. Et ça n'a pas drop depuis que j'ai coupé ce stream fabuleux. C'était la bonne solution. Je gère le stream, je gère. On a eu un peu de temps ce soir, j'espère qu'il n'y aura pas trop. Je pense que surtout sur la phase de teamfight. Quand même une game plus serrée, hein, parce qu'on est qu'à 4-3 alors qu'avant on était déjà à 10-2. Oui, alors qu'il y a des pics assez early et assez agressifs. En tout cas, TP de chaîne, c'est parti. Oukar qui claque l'ulti pour stun. Les deux protagonistes, Panthéon qui veut s'envoyer. S'enlever avec son ultime, ça n'a pas suffi. Et c'est le double kill pour la Jinx. Ah non. Ah non, chaîne après un kill. Le décal à 4, ça fait mal. Ça fait mal. Le petit combo Morgana ulti, chaîne ulti, après je taunt avec chaîne et après les pièges de Jinx, et ben le Panthéon il a pas rien pu faire. Il était bloqué, il a essayé de s'envoler comme un aigle mais ça n'a pas marché. Déçu. Ouais, carrément. Il a fait je m'envole tel un aigle, et ben non, tu es une poule, tu ne t'envoles c'est pas. C'est un peu bullshit de faire ça, enfin avec un chaîne. Un Lee Sin et... Ah bah il fallait tenter. Ah d'ailleurs il va tenter de cache. Est-ce qu'il va-t-il réussir? Ah dommage, j'étais pas... Il était presque, ça va flash par derrière. Tu meurs. Non. Ah non, t'es su. La cage de Morgana. Déception. Tu ne peux pas flash. C'est déception. C'est le dive des champs de champs. Ah ouais mais là... Petit test. Portez-moi qui dit. Décision de test. Free. Seize. Ouais, test. Ou a fail, peut-on dire. Oh, non. Test avec non, un E à la fin, évidemment. Alors, que faisait Edwin par là? Recuter, mais qu'autant de CC, c'était pas forcément une bonne idée. Déjà qui arrive à se barrer avec son Z. Donc, Wegos qui tank énormément, qui va peut-être permettre à Harry de tuer Kalmosh, mais non, ça ne servira pas. Les PCS qui étaient 4 au mid. Pourquoi avoir essayé d'engage à 3v4? C'était un peu compliqué. Bah, surtout Annie qui s'est fait catch. Et Non, elle a voulu mettre son ult, hein. Elle y est allée parce qu'elle voulait mettre son ult, hein. Sinon elle aurait fait demi-tour, elle serait partie. Elle voulait tellement mettre son ult. Elle vient de le claquer l'ult. Elle l'a claqué l'ult. Elle l'a claqué dans le fight. Ouais, d'accord. Elle l'a claqué dans le fight. Chaîne qui fait mal, dis donc. Ah oui, c'est vrai que le 1 pourcentage de son de la vie. Vayne qui a du mal contre chaîne en même temps, chaîne est fou. Je dis, on est pas en train de partir sur un chaîne AP. Non, c'est pas un chaîne AP. Alors, Panthéon ADC, t'es en train de faire les vraies. Alors, Panthéon peut parler de son stuff un peu imbruta, normal, Panthéon. Niveau CS, comment vous dire. Eh bien, déjà, je comprends pas pourquoi Ramus est à la place de Jinx. Hein. Oui, déjà, pour commencer. Et Ouais, bah, Jinx a énormément plus de lacide. Bon, Panthéon qui a 0-3 en même temps. Tout le monde a plus de last hit, enfin, tous les PCS ont plus de last hit, hein. À part le support, parce que Annie en fait vole. Je vole les last hit, hein. Oui, on a pu voir support, au début. C'est n'importe quoi ce temps de perso. Ah mais oui, c'est parce que j'ai crash, merde, bordel de nouilles.
Rien. Complètement. En tout cas, un HGBET qui a mis énormément de dégâts pour claquer le plus rapidement possible à Alice Panthéon. Et du coup, elle a ce buff du ciel, ça va pouvoir aller terminer Annie pendant ce temps. Darkadox se fait dans gank. Est-ce qu'il va claquer ulti pour ce tir? Voilà, il a été complètement obligé. Un Xenogénère qui va tenter peut-être un Q-Spell. Non, il s'en va en servant d'Alice Stark comme tremplin. Elle n'est pas morte, elle s'en est tirée. Ça va se fight pour le bleu. En tout cas, Mizik a été vu, il a été condamné par Vayne. Et ensuite. Chaîne est intombable. Ouais, malgré le taux de. Et là, au revoir Vayne. Voilà, ouh lolo. Oh, pas mal la projection des deux là, c'était assez sympathique. Voilà de la vachette. Et le taux d'armée, je veux dire. Pied, le coup de pied d'un octogénaire. Je t'explique, j'allais croire sur le stream. Ah. C'est pas mal ça. La guesse, c'est mon anus. Ah, je pense que c'est le. Merde! Depuis le crash, on était en écran noir. Ça a reset la scène. Ah bah bravo! Ah bah félicitations, streamer pourri! Wow, mais jusqu'où? Alors jusqu'où vous en avez? Tout ça va être la prochaine fois. C'est incroyable. Donc on a rien depuis. Oh mon dieu, mais on a rien depuis 10 minutes! Oh, t'es une merde à Curz! T'es une merde! Non, c'était fait exprès parce que c'était un peu trop violent. C'était un peu trop violent, voilà. On a essayé de couper. Je suis une merde, je suis désolé. On a mis un écran noir. Mais impossible de prévoir. Mais c'est un petit peu relou, c'est le launcher qui crash. Enfin, je comprends, hein, c'est un jeu indé, hein, ils ont pas trop de pognon. Annie s'est fait tuer. Oh le truc sur le spire. Ils sont en train de recreuser l'écart. Hein. Ouais, ils ont pris des kills, ils ont assuré. Je sais pas pourquoi, tes pronostics. Moi je pense que PCS va win. Là les PCS sont pas mal parce que Panthéon qui est tombé assez fort en early a beaucoup de retard, ça va être compliqué. Et Vayne n'a pas suffisamment pris l'avantage en top lane. Non, c'est pas ça, c'est juste que je vois Jinx avec 6-1 donc. Et du coup voilà, et du coup c'est Jinx qui elle s'est feed alors que Vayne n'a pas pris l'avantage. En tout cas, je suis désolé pour ce écran noir, merci Testetum. Le problème c'est qu'avec Panthéon Ali, il faut prendre des kills en early avant le level 6. Level 6, on peut toujours. Si on n'en a pas pris avant, ça va être compliqué. Même si Annie a son level 6, ça fait très mal. Mais la Morgana avec son shield, voilà quoi, c'est meilleur. Donc il fallait prendre les kills avant. Là, ils les ont pas pris. Donc ils sont dans la mouille. Oh, Négos qui arrive à taunt Amnesis, que moi je te coupe. Shane qui certainement va a sauvé Harry. En tout cas, la traité un Panthéon qui meurt. Panthéon qui fait que mourir. Et on va pas avoir. C'est pas la fin de la game quand même. Vont-ils finir? Vont-ils finir? Attention. Je ne sais pas, Vayne est en train de pusher. C'est intéressant de savoir. Le chaîne qui est intombable. Oh là, les TK, quand même, les star AP. Oh la casse. Oh là là. Mine de rien, les star AP, on sous-estime. Star AP qui carue. Ça carue, hein. Ouais. Je sais pas, en tout cas, ça marche. Ça carue pas des masses. Je viens de comprendre d'où sortaient les vachettes de tout à l'heure, fabuleux. Quel temps de réaction. Guerre qui sort. Sort, oui, un octogénaire qui grid complètement pour aller tuer Harry. Panthéon. Il y a Harry et Annie dans la même équipe, c'est compliqué. Premier kill pour Panthéon. 1-6, magnifique score de Panthéon. Panthéon qui a pris trop cher pendant cette game. La botlane a pris trop cher, tout simplement. La botlane s'est fait avoir. Ils ont essayé de jouer Panthéon à Annie, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il y a des synergies, mais. Le papier fait à tout. Le problème, c'est qu'il fallait prendre les kills avant. Il y a la théorie et la pratique. Il fallait prendre les kills avant. Ouais, c'est ça, maintenant c'est trop compliqué de rattraper le retard. Là c'est impossible, Panthéon il va servir à rien, il peut partir tank. Hein. Et seul le mid, il y a Harry qui s'en sort à peu près. D'ailleurs qu'est-ce qu'il fait? Il va aller détruire la tourelle, il en a rien à faire. Ouais, qui veut split push, on s'en bat les steaks, ça pique de tous les côtés chez les PCS, c'est la panique. Chopez-le, voilà, il va se faire gangbang, regardez, à gauche il y aura un chaîne, en bas un Lee Sin et Morgana va finir sur le côté. Ça va être insane et absolument sexuel. Attends, continue, voilà. Désolé. Et non, Warseed, je pense que la tour a perdu, elle a perdu quelques PV. Donc un très gros split push. Oui, c'était un peu la tower de l'honneur, hein, parce qu'ils en avaient pas, donc il faut détruire. Ouais, c'est vrai, il a fallu. Voilà, strike tourne magnifique de Shen qui a tout renversé. Morgana qui a passé une cache. On focus sur tout le support, je sais pas pourquoi. En tout cas, Shen qui a réussi, qui a protégé Ogier avec son shield. Darkadok qui va essayer de se barrer. Oh, dommage, Amnesia qui a raté son taunt à cause de la roulade de Pochuk. Vayne qui va mourir. Qui fait des DPS. Je pense que Vayne va y passer. Et ça va être compliqué, c'est du 3 contre 2. H2Mat qui a réussi à faire le tour et qui va achever Mamzellari. Non mais Pochuk qui ne devrait pas s'en sortir, voilà. Elle a fait le même coup par derrière. Oh le coup de tête. Alors les cordes dans les fesses, ça fait très mal. Hein. Ça picote. Hein. C'est pas très propre pour votre partie rectale. Votre ici. C'était au nombre de combien, ta gueule, bravo.
Oh là là! Bravo. Bam! Là, je sens une fin de game proche. Peut-être avant les 20 minutes. Ah, s'il rush tout Moi, seul j'aime X beaucoup comment maintenant. le chat représente l'esprit sérieux de cette game. Oui, ce chat est merveilleux. Bon, le chat de la game, hein, pas le chat du deuxième stream. Stomp, hein. Je sais pas ce qui se passe sur le chat du stream. Oui, je sais, c'est. Y'a rien. Tout, ils sont tous en train de dormir là. Il se fait tard, ils font, oh, je vais me coucher, allez, finis cette game, tu vois. Finissez cette game, alors, je pense qu'elle va être finie assez rapidement. Ouais, on aurait pu finir bien plus tard. Et les Dekagol, ting ting ting. Dekagol. Dekagol, fabuleux par les PCS encore une fois qui ont. Qui ont un peu snowball, enfin qui ont commencé à prendre les kills en early et qui ont continué. Enfin, c'était surtout compliqué, je pense, pour les Drugbeasts de rattraper. La Morgana qui meurt. En tout cas, Bachette qui meurt. Je pense que le classement va se trouver modifié et qu'on aura peut-être nos gagnants, qui sait. De ce deuxième Leg of Flower là. Hop, Agilomet qui va courir sans fuir pendant que Vayne se fait taunt par. Par contre, elle a pas vu la Vayne. Mais Vayne est tellement, ça sert à rien, Vayne. Mais t'as pas assez de dégâts, il flash deux flash carrément. Ils prennent Vayne au passage et hop, on s'en va. Bien joué, Agilomet qui du coup récupère le boost de vitesse de Jinx. Les deux. Retournez-vous. Voilà, Jinx, il fallait mettre sa roquette pour avoir les deux. Ah, dommage, mais je ne sais pas. Activé. Là, elle peut pas faire son zap à cause. Annie, voilà, il a plus de mana, est-ce qu'il va quand même tenter de tuer Jilvan? Je ne pense pas. Non, et boum! Un génère qui récupère le kill. C'est l'Ace? Non, c'est pas l'Ace. Dommage, hein, l'Ace a pas. C'est marrant. Ace, oui, arrière et pop. Ah, pas beau. Arrière et pop. Bon, 10 ans, c'est un peu plus serré, il y a 2 kills de plus. Il y a 2 kills de plus pour les TRB. Mais bon, voilà. Et cette fois-ci, c'est la botlane qui est en retard, pas le jungler, hein, le jungler qui s'en sort plutôt bien, 2-2. Ouais, c'est plutôt pas pour le jungler. Il a pris cher la dernière game. Globalement, c'est compliqué au niveau farm, on est clairement en avance au niveau PCS. Enfin, je pense surtout à la botlane qui a énormément de retard en farm, à E2, même à E2, ils arrivent pas à combler le stuff de Jinx. En tout cas, le jeu qui a pris énormément de dégâts, et donc le générique qui a foncé sur elle. Tarkadok est obligé de claquer l'ulti pour s'en aller. Est-ce que ce serait la fin de la game? Annie qui s'est fait choper, Tarkadok qui arrive à s'en aller. Les CC sur Annie. Coup de tête. Énormément de CC dans la team des PCS. En tout cas, on peut dire qu'il maîtrise bien son Alistar. Oui, il y a beaucoup de combos, on a eu beaucoup de combos. Parce que ses combos Alistar sont toujours parfaits. Non, on a raté un, je crois, tout à l'heure. Mais genre, oh le zap snipe qui est passé, je sais pas si c'était dans la hitbox. Le Alistar est une bonne maîtrise. Je sais pas qui je vais lire MVP, mais. C'était trop le bordel, j'ai pas réussi à suivre. Et oui, Alistar a fait. Ah d'accord. On ne finit pas, on va faire le Nashor. Ah, il faut le Nashor, on ne finit pas une game sans un petit buff Nashor pour humilier ses opposants. Et bientôt 20k gold, oui, enfin, non, c'est pour ça, ils voulaient attendre le 20k gold, ben, on les comprend évidemment, les 20k gold d'avance. Panthéon qui avance. Qui a eu un peu tôt, Panthéon, voilà. Au revoir, monsieur Sliptheon. Sliptheon, bah voilà. Ça ne marche pas, hein. C'est sûr, si oui. C'est que tu peux tout te permettre. Ah, un cache de Morgana qui chope Annie qui va se faire découper par Shen. Annie qui se fait défoncer. C'est au tour de Wendt Ghost de se donner, ils sont tous donnés un par un pour l'instant, c'est parti. On enchaîne, la baron qui est tombé. Oh, le coup de boule. Le coup de boule était pas mal pour faire traverser le Ramus. Wendt Ghost qui a réussi à totem busy, ça va tempo un peu pour le coup de son. Ah, la roquette qui passe à côté. Et regarde encore ta Shen. Ah, le combo il est un peu raté. Sniping, zap. Un Tachéner qui se bat contre Harry qui finalement abandonne. Est-ce que les PCS vont faire le. Est-ce que les PCS vont faire le push final? The final push. Et Il laisse, il commence. Fuyez, ils sont des milliers. Pouf. On va essayer de cramer la tenue d'infirmier de chaîne. Oh le taunt. T'as rien de quoi se fait taunt peut-être. Non. Ah carrément, on a claqué l'ulti pour son. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y avait une tour avant, ouais, effectivement. Mieux, elle pouvait pas. Elle pouvait rien faire sans. On a quand même vu des belles cages, hein, de la Morgana à la fin, bon taf. Oui, globalement, ouais. Bon ulti, bon taf de la Morgana. Les temps de mecs sont obligés de défendre. Bon, là, je pense qu'ils vont back. Ils sont trop nombreux. Une TP de chaîne. C'est sur la ward. Oh, le don qui passe de justesse, qui permet de se faire avoir Owen Ghost, qui va se faire cage dans la foulée.
Et le petit carré bon, c'est le finir. Est-ce qu'il va réussir à s'en aller avant? Nous ne le saurons jamais si ça va réussir à s'en aller. Oui. C'est sa Power Brawl. D'Arcadoc qui a réussi à charmer un octogénaire, mais il tellement de dégâts. Défoncé. Et s'est fait avoir. Un octogénaire qui va s'en aller. Qui va essayer de revenir carrément. La musique qui tanque énormément les dégâts de la veine. Clamoche qui essaie d'y aller, voilà, on met un petit combo. Le combo qui a raté de Alistar. Qui n'a pas. La roquette qui passe à côté. Ouais, dommage. Mais heureusement. Bon, là ils sont un peu low quand même. Hein. Ouh, Edwin qui a pris énormément de zap. Barrière qui a tanké quelques coups si tu feras pas. Et je vais mettre qui est déjà légendaire. Le Jinx qui arrive. 14-1. C'est une manie d'être légendaire chez les PCS avec le radio carry. Est-ce que c'est une manie? Est-ce que c'est une tradition d'avoir des carry légendaires à chaque game? Regardez, meurt. Voilà, le quadra qui est en allez, donnez-lui le quadra. Allez, quadra, s'il vous plaît. Honnêtement. Attends. Donnez-lui le quadra. Non, pas de quadra. Bon, déçu. Oh là là, mon dieu, les dégâts au critique avec la roquette. C'est impossible. C'est insane. Et c'est la fin de la game. Effectivement, je pense que c'est la fin de ce match. De ce début de round 6. C'est assez impressionnant, deux stompes. Jinx qui essaye de pas mourir en tapant le Nexus, mais je crois qu'elle va mourir quand même. Eh non, interruption par une ghost, dommage. Est-ce que le Nexus va tomber? On est passé de 16-1 à 16-2, c'est quand même dommage. Ah, un octogénaire qui va se faire catch par le sein de Panthéon. Le Nexus n'est pas tombé. Ouh, est-ce qu'il va réussir à tuer quelqu'un dans la foulée? Il essaie de gagner. Non, Annie s'en sortira. Je pense que bien, merci à son bouclier qui a dû tanker un petit peu. Alors, Jvel qui essaie de se faire un devir. En plein vol, la veine a implosé en plein vol. Ouais, mais Alistar il est pas content lui aussi, hein. Il a son DMG. Ça travaille avec des BT sur chaîne, bah oui, évidemment, BT sur chaîne, un stuff classique et obligé, ça rush BT quand vous jouez chaîne. Ça pour tout quoi. C'est mieux, cette game ne veut rien dire. Cette game ne veut rien dire. Comme la prophétisation ce stream. Rien à foutre. Oui, alors là, c'était la pire de tous les temps. Je crois que c'était le stream le plus. Honnêtement, c'est le stream le plus professionnel qu'on ait jamais fait. Go chez Skype ou Gare pour la vidéoconférence. Ah, la game s'est terminée. Donc je pense que les Grand Bees vont réussir à retourner la situation et à terminer en moins de 3 minutes. Mais apparemment, on va faire ils ont détruit une toile, débuching en vidéo. Donc Ougar qui a promis de se déshabiller pendant la conférence vidéo, donc restez avec nous. Je le sais de source sûre. Il a promis un slip rouge. Ou pas de slip, on m'a dit. Enfin, ça dépend des versions. Interruption de la veille. Ça dépend comment on se sent. Morgana était en interruption. Non, cours Alistar, cours. Bah je vais lire mon MVP, pour moi c'est quand même la Morgana. Morgana qui fait le blocage, ouais, le cache. Des qui a réussi à fit son Ekari. En bot lane, elle a fait le taf. Je pense que c'est bon qu'on puisse dire, la Ekari est finie. Pour finir le dernier kill, je pense que ça va être le push final. Double kill pour Jinx, il y a le cleaner pour diminuer sa bonne vitesse et qui va achever Annie. La roquette qui peut-être qui va pas suffire. Elle a été charmée, dommage. Ouais, le zap qui a fait un bon dégât. Oh le pétale, tu le pétale, le pétale. Oh docteur. Oh non. Aucun respect. Ah dommage. Ah docteur Génère qui a fontaine d'ail, on peut dire. Oui, fontaine d'ail. D'ailleurs, t'as pas de l'équipe. Ah, peu la petite rocket pour la fin, le Nexus qui tombe et c'est une belle victoire des PCS qui passe premier. C'est la win. Les PCS qui montent au-dessus de tout le monde, qui vont premier dans ce tableau. Et dans tous les cas, GG à eux. Son premier ex-aequo. Premier ex-aequo? Non, je crois pas, parce que les. Si, non, je me souviens bien. Si les DRB gagnent leur prochain leur match qui leur manque, ils seront égalité. Exact. Alors, on va aller voir les PCS pour une conf vidéo.